Je suis Mfali Kouyaté. Allô, ici c'est Mfali Kouyaté. Je suis artiste, musicien, chanteur, instrumentiste. Je joue du balafon, xylophone africain, la kora, la harpe africaine. Et je compose aussi. Voilà, ça c'est moi. Alors moi, oui, ce que j'aime de la musique, dans la musique africaine, c'est simple. La musique africaine, c'est la joie déjà. Les instruments qui viennent là, c'est la musique positive. Et on chante partout, surtout, même quand c'est le décès, on chante pour le décès, le mariage et tout. La musique africaine, c'est le groove. Le groove, grooving is very important dans la musique africaine. Positif. Pourquoi on doit faire le concert en live, online? Et parce que les artistes, ça fait 14 mois presque que nous ne jouons pas. On est interdit même de jouer. On ne peut même pas taper dans les mains. Donc, on ne peut pas rester comme ça en regardant notre métier, la culture, sans donner de la joie aux gens. Donc, nous avons préféré maintenant faire un concert en ligne, un projet qui s'appelle Virtual Club Show. Donc, on va jouer virtuellement dans un club à Éguézé. Et nous ne demandons que des gens viennent s'inscrire en ligne et puis on va faire le concert. C'est tout le groupe qui sera là. Nous voulons donner de la couleur à la vie pendant que le coronavirus est là. C'est ça l'objectif. Le futur de ce projet, c'est simple. C'est que nous attendons, on a envie de faire un album parce qu'il faut maintenant, c'est maintenant qu'il faut préparer après Covid. Pour les artistes, c'est pas qu'on va dire ok, allez les gars, c'est fini Covid, il faut continuer maintenant à jouer à la musique. Non, quand on finit le Covid, il faut préparer, on doit se préparer, on doit faire et préparer, on doit demander à être dans des festivals et autres. Le processus est encore plus long, mais il faut avoir une nouveauté. Pour avoir la nouveauté, il faut avoir un projet. Et pendant ce Covid, nous avons beaucoup enregistré, répété, composé. J'ai beaucoup composé des morceaux, mais il faut les mettre sur quelque chose. Donc, nous voulons maintenant faire un enregistrement pour se préparer, pour être dans les actualités des télévisions, des radios, des organisations. Donc, il faut faire un nouvel album. Ça, c'est l'actualité d'un artiste. Et il y a une surprise, des surprises, parce que j'ai fait des featuring avec un très grand artiste africain qui est un africaniste et ma langue est au chat pour l'instant et vous le saurez, ça sera une surprise. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Donc ce projet, l'avantage de ce projet c'est que se préparer pour la rentrée culturelle prochaine. Donc il faut préparer les albums et autres pour faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être compétitif sur le terrain la prochaine fois.